Est-ce que vous m'entendez mieux? Donc, voyez à l'écran, c'est le règlement d'emprunt tel que ce qui a été présenté, qu'on a envoyé au ministère. Il est divisé dans les disciplines. So there's the architectural work, which is not the architectural work of our consultants, but architectural work related to the building. Donc l'architecture du bâtiment, les travaux de structure, les travaux en génie civil, en mécanique et en électrique. Et donc, ça donne des coûts de construction estimés de 33,3 millions. Ensuite, on a pris des contingences. Il y a la partie des frais généraux, conditions générales et administration et profit pour arriver à un sous-total de construction de 39,88. Obviously, we have to pay taxes on this, and donc ça nous donne un coût estimé total de construction de 45,8 millions. Les services professionnels, donc des architectes, des ingénieurs, sont estimés avec taxes à 2,8 pour un total de 48,671. As Kevin mentioned, that there are some, we get tax rebates, donc on nous rembourse une portion des taxes. Ceci équivaut à un peu plus que 4 millions. Alors on se retrouve avec une dépense estimée de 44,4 millions. Alors, sur le 44,4 millions, le financement qui est prévu, on a des surplus qui sont déjà, au fil des ans, qui ont été mis de côté à 16 453 000. Un règlement d'emprunt pour des travaux qui étaient déjà prévus au temps de l'enveloppe, 190 000. Et ça amène un règlement d'emprunt de 27 800. À l'intérieur de ce 27 800, on a obtenu une subvention du gouvernement de 3 millions. Cette subvention, on va la dépenser, elle va nous être remboursée. Mais lors de l'emprunt, on l'a inclus. Donc, le 27,8 inclut le 3 millions de la subvention. Vous noterez aussi que ce document de règlement d'emprunt a été préparé en septembre de 2019. Depuis, on a quand même fini notre année 2019. On a des prévisions de comment notre année s'est terminée et on prévoit un autre 4,5 millions de surplus qui va être ajouté au surplus déjà affecté de 16,45. Donc, si on enlève du 27,8 l'autre 4,5 millions de surplus, ça nous amènerait à un emprunt de 23,3 millions. Incluant la subvention de 3 millions. Et donc, pour le compte de taxes, le calcul a été fait en faisant un calcul sur la maison familiale, une familiale moyenne, si on est average single family home. The average single family home in the new evaluation role is at $1.3 million. So for a loan of $23.3 million, which as I mentioned includes the $3 million government grant, ça fait bien $155 par année sur un emprunt de 25 ans. En plus, il y a des frais d'opération d'un nouveau centre que nous estimons à environ 1 million par année. Donc, ça, c'est les coûts d'exploitation récurrents. So, the costs for running the building will be greater than what they are today. So, we estimate that the cost of that is approximately $104 per year. So, the 155 plus 104 comes that it's $259 extra dollars for a single family home valued at $1.3 million. Merci beaucoup, Mme Cash. Ça complète cette présentation. Avant de passer à la période des questions, je voudrais peut-être le maire, Philippe Roy, vous adresser quelques mots. Monsieur le maire. Oui, mais ça va être très rapide parce que là, nous sommes maintenant à l'étape où on veut vous entendre, on veut répondre à vos questions.
peut-être juste mentionner une chose. There is no perfect project. Some people think that this building is too big. Other people will say it's not big enough. Some people will say it should be blue instead of white. There's no perfect project, but I can tell you that the 7 members of council feel that this project is the one who answers best the needs of our community. And as for the finance factor, we're speaking here about the worst case scenario is a $5 increase per week for the average home. So we're not talking about something that's going to change the life of everybody. On vous soumet respectueusement. C'est le fruit de plusieurs années, comme vous avez vu, de travail pour l'administration et pour les élus. Et là, on aimerait ça maintenant vous entendre et avoir l'opportunité de répondre à vos préoccupations. Alors, on va passer à la période des questions. Merci. Merci, M. le maire. Merci à vous pour cette présentation. So, if you're ready with the... We're ready to start the question period. Donc, je vous rappelle, s'il vous plaît, présentez-vous au micro. Please state your name and address. Please be brief and concise. C'est le maire Philippois qui accueillera l'ensemble des questions. Pourra demander à ses collègues de compléter et bonifier au besoin.